conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer, quelque chose d'impérissable que vous laisserez sur Internet. L'inverse de ce que vous a dit l'autre là, la semaine dernière, croyez et aimez. Croyez et aimez et trompez-vous, vivez quoi. Arrêtez cette guerre civile, l'attente. Ouais, non, mais soyez... vraiment, ce qui est critique, c'est ouvrez-vous au monde et ayez conscience. On est à la veille, vraiment, je l'ai dit en passant, mais en fait, c'est ça l'élément fondamental. On est dans un monde sans pitié, où il y a un risque fondamental que l'on devienne les esclaves de ceux que l'on a exploités. Ouais, j'en ai plein. Par ailleurs, se battre comme des chiens pour la paix, pour construire une partie de la paix, à un moment où on est à ça. On est à ça d'une catastrophe avec des gens cyniques à des milliers de kilomètres de nous, aux États-Unis et compagnie, on n'a rien à faire. Voir se satisferait quelque part qu'on soit emporté dans une spirale dévastatrice. Ça ne veut pas dire être naïf, ça ne veut pas dire tolérer quoi que ce soit, mais c'est du calme. Du calme.